Le chocolat. Un moment, s'il vous plaît. Silence. Demain, au lieu du programme habituel, il y aura une surprise. Madame Chouquette viendra vous donner un cours de pâtisserie. Ouais ! Elle vous fera faire un gâteau au chocolat que vous pourrez rapporter chez vous. Ça alors ? C'est terrible ! Un cours de pâtisserie avec Madame Chouquette ! Ne pourrait-on pas avoir un cours de mathématiques à la place ? Cet exercice sera noté et comptera pour la moyenne. Oh non, ce sera noté, c'est une catastrophe ! Bah alors, chouchou, ça va pas ? Vilain cafard ! Ce n'est pas ma faute si le chocolat me rend malade. Le docteur a dit que je ne... La pâtisserie exige de la discipline et je compte sur vous pour bien écouter, Madame Chouquette. Maman, maman, demain, on va apprendre à faire un gâteau au chocolat à l'école. C'est formidable, mon ange. On pourra même rapporter notre gâteau chez nous. Bonjour, Nicolas. Bonjour, chérie. J'ai invité mon patron, Monsieur Moucheboum, et sa femme à dîner demain soir. Ne te fais pas de soucis, tout sera parfait, c'est promis. Génial! Ils pourront goûter mon gâteau au chocolat alors, ça va être terrible! Ton gâteau? Quel gâteau? Madame Chouquette vient à l'école pour nous donner un cours de pâtisserie. Et c'est donc Nicolas qui rapporte le dessert demain soir. Quoi? Avec les Moucheboum qui viennent dîner? Hors de question! Pourquoi pas? Moucheboum adore les dîners en famille, il trouvera ça charmant! Mais oui, mais enfin, c'est le tout premier gâteau de Nicolas. Et c'est assez difficile à faire, un gâteau. Il sera très bon, voyons. Je n'en doute pas une seconde. N'est-ce pas, Nicolas? Ce sera même le plus chouette gâteau de la classe. Promis, juré. D'accord. Mais attention, je compte sur toi, Nicolas. Pas de bêtises, hein. Le dessert, c'est très important. Oui, ton patron va se régaler. Tu verras, papa. Bien, tout le monde est là? Allez les garçons, entrez et en silence. Ça alors, d'où ce chocolat? Ouais, c'est terrible. Chacun d'entre vous s'installe calmement, il y a de la place pour tout le monde. Regardez si elle cesse le chouchou aujourd'hui. Ouais, même Gagnon a du souci à se faire. Ce coup-ci, c'est toi qui vas avoir la plus mauvaise note. Silence, je vais vous distribuer la recette avec la liste des ingrédients qu'il vous faut. On peut reprendre du chocolat si on n'en a pas assez. Vous viendrez vous-même peser vos ingrédients en respectant bien la recette. Comme ça, cet exercice sera l'occasion de réviser les mathématiques. Mais d'abord, Madame Chouquette va vous montrer comment faire étape par étape. Pour commencer, venez chercher ce qu'il vous faut pour préparer le gâteau. Dans le calme et chacun son tour, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ouais ! Super, on y va ! C'est gentil de ta part de faire les courses à ma place, Agnan. Je t'en prie, avec plaisir. C'est drôle, d'habitude ils sont moins pressés de faire leurs exercices. C'est à moi, j'étais là le premier. Ah ouais? Ça doit te changer, non? Dépêchez-vous, c'est à mon tour. C'est pas vrai, c'est à moi d'abord. Non, moi d'abord. Enfin, ça suffit, chacun son tour. Tu l'as fait exprès, j'en suis sûre. Allons, allons, du calme les enfants. Arrêtez tout de suite ou je vous mets à tous un zéro. Retournez à vos places et n'en bougez plus. Madame Chouquette et moi vous apporterons ce qu'il vous faut. Finalement, faire des gâteaux, c'est pas si rigolo que ça. Je suis là si vous avez besoin d'un assistant, Madame Chouquette. Merci, Alceste. C'est très gentil de ta part, mais ce n'est pas utile. Envie que je t'aide par hasard? Maintenant que vous avez bien mélangé, rajoutez une pincée de sel et les œufs entiers. Oh.
fait avoir un zéro. Chacun son tour. Tu me laisses jamais copier, toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Celui, mademoiselle, il copie sur moi. C'est même pas vrai, t'es un sale menteur. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Agnon, file au piquet et tout de suite. Ça suffit, ça commence à bien faire tous les deux. Au secours, je vois plus rien. À moi, à moi. Au secours. Clotaire, au piquet. Et toi, Agnon, suis-moi au lavabo. C'est pas juste d'abord. Bah, il est où mon dernier œuf? Il est par terre ton œuf, tu t'en es même pas rendu compte. C'est toi qui l'as fait tomber, je suis sûre. Tu veux mon poids sur le nez ou quoi? Attention, vous deux, vous en mettez partout. Ça te fait tant rire de jeter des œufs sur les autres, mon douille. Qui a fait ça? Vraiment terrible la pâtisserie. La maîtresse était drôlement fâchée. Et Madame Chouquette, quel délice son chocolat. Mais avec tout ça, mon gâteau est tout petit. Il n'a pas levé du tout. Montre. Regarde, il est tout plat. Oui, mais il a quand même l'air très bon. Tu rigoles? Je ne peux pas rapporter ça à la maison. Bah, si t'en veux pas, moi j'en veux bien. Désolée, impossible. Le patron de mon père vient dîner ce soir et je devais rapporter le dessert. Et alors, ce qui compte, c'est qu'il soit bon. Tu crois que c'est pas grave s'il n'est pas beau? Bien sûr que non. Ça te dit qu'on goûte pour être sûr? Tu parles. Bon, mais juste un petit peu alors. Terrible. T'es sérieux? Goûte, tu verras. Ouais, t'as raison. Mon père va être trop content. Zut, la boîte ne ferme plus. Attends, laisse-moi essayer. Fichu, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Bah quoi, il est encore bon? T'es pas fou dans ta tête? Tu me vois rapporter ça comme dessert pour le patron de mon père? Et ton gâteau, fais voir comment il est. Pourquoi tu me demandes ça? On pourrait échanger. Allez, s'il te plaît, c'est ta faute après tout. Bon, d'accord. De toute façon, ma mère a dit qu'elle ferait une tarte en plus pour ce soir. Merci Alceste, je savais que t'étais un chouette copain. Et celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Vu qu'il est fichu, on a qu'à le manger. Mais c'est ça qui nous fait plaisir. Une soirée en famille, c'est merveilleux. C'est Nicolas qui a fait le dessert à l'école aujourd'hui. Un cours de pâtisserie? Oh, mais c'est formidable, n'est-ce pas, chérie? J'ai vraiment hâte de goûter ton gâteau, Nicolas. Je vais le chercher. Ça me changera de tous ces petits fours de banquet. Si je puis me permettre, soyez indulgents, c'est son premier gâteau. Tada! Le voilà! Oh, mais il est superbe, ce gâteau. Bien, c'est vraiment un gâteau très spécial, Nicolas. Mais ça a le goût de poivre. Quoi? Oh, on dirait que ce petit farceur de Nicolas nous a fait une bonne blague. Vraiment très drôle, Nicolas. Nous te remercions pour ce délicieux dessert. Allez, assez rigolé maintenant. Va donc chercher ton vrai gâteau, Nicolas. Le vrai? Tu sais, je l'ai mis dans le four pour le réchauffer avant de passer à table. Oui, maman, j'y vais tout de suite.
Quand je vous disais qu'il n'y avait vraiment rien de mieux qu'un bon repas en famille. Je suis d'accord, c'est tellement plus amusant que tous ces dîners d'affaires. Ma mère, c'est la plus chouette maman du monde. Elle avait préparé un autre gâteau au cas où. Nicolas tient de ses parents. Travailleur comme son père et cordon bleu comme sa mère. Et tu ne manges pas de ton délicieux gâteau? C'est que, avec tout le chocolat que j'ai déjà avalé, j'ai peur d'avoir mal au ventre. Ha 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 ha